vous remontrer comment on entre dans l'Acadie, mais d'un autre angle, parce que c'est pas moi qui porte la caméra. Fais attention qu'elle ne tourne pas. Qu'elle ne quoi? Tourne. Qu'elle ne s'entre. Tu la mets comment? Oui, je vois. Je vois qu'elle soit plate en fait. Qu'elle soit plate. Ah oui, je vois. Donc, avancez. Coupe le petit indicateur. Ah. Voilà. Pour couper les sangles. Ah oui, d'accord, je comprends. C'est bon. Tu peux avancer un petit peu. Là, stop. Voilà, ça c'est bien tendu. Voilà. Voilà. Ça va l'air comme. Ouais. Est-ce que tu as assez avancé? Ouais, okay. Ouais, ça me paraît bien. Ouais. Je peux le faire tant que tu roules pas. Tu veux que je commente? Donc nous sommes dans la Acadie hyper tunée de Martin, puisqu'elle elle a un aménagement pour monter sa charrette dedans, Martin et Camille d'ailleurs. Et donc le cockpit, comme on dirait un peu un avion en fait. On dirait un peu un avion. C'est très très agréable à conduire comme voiture et elle est vraiment confortable, hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi. Oui. Et toi? Oui c'est très confortable. Voilà. Je trouve que c'est vraiment une chouette voiture et on peut faire un petit peu de tourisme. On peut peut-être filmer. Ici on passe au centre du village de Melun, qui est très très beau. Voilà. Là je pense qu'on a l'église à droite ici. Je sais plus. Par là. Ouais, là-bas. Et alors le village de Melun, c'est un village qui est presque toutes les maisons sont construites avec la pierre de Cobertange. Et Nicolas, où on a l'atelier, lui, c'est son métier, c'est qu'il fait des maisons en pierre de Cobertange. Et donc, pour en revenir aux choses sérieuses pour le cockpit, il y a radio Bluetooth. Voilà, radio Bluetooth. Radio DAB. DAB. GPS. Non, pas le GPS. Ah. Il y a encore comme option. Un peu de pluie. Quoi? Il y a un régulateur de vitesse adaptatif. Ah ouais. Et voilà, c'est une belle voiture. Hein. Voilà. Et ça nous permet de faire des petits tours. C'est bien. Voilà.
baisser la tête parce qu'on passe en dessous du carport. Ah, les phares sont allumés. Les phares sont allumés automatiquement, on dit. C'est incroyable. Donc les phares s'allument automatiquement dans cette voiture. C'est vraiment... Les phares pop. Voilà.